Salut tout le monde les gens, ici Babouliné pour le 6ème épisode de notre Let's Play sur Mario Galaxy 2 sur Wii. Soyez les bienvenus, j'espère que ça va pour donc on se retrouve, comme d'habitude, sur le vaisseau Mario avec Mario qui pique un roupillon. Plus ou moins là on s'est arrêté la dernière fois, on avait commencé le deuxième monde en allant finir la série sidérale et une autre galaxie, les chutes abruptes il me semble, celle où on fonçait avec Yoshi. Et bon, aujourd'hui, on va continuer notre exploration, on va récupérer des étoiles, on espère que les comètes finiront par apparaître. On m'a rappelé d'ailleurs que les comètes apparaissaient plus tard, c'est pour ça qu'il n'y avait toujours rien. Et bah, c'est déjà pas si mal. Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez me saluer le moment épique, les fails avec les hashtags associés, hashtag épique PIC, hashtag fail et faillel, plus ou moins exact, de voir à la compile. Et j'en profite pour faire une petite, un petit condensé des actus, enfin des infos que j'ai depuis lundi, parce que vous savez que lundi dernier je vous ai signalé une mauvaise nouvelle, puisque si vous n'êtes pas au courant, j'ai fait une petite vidéo là-dessus, mais en gros si vous n'êtes pas au courant, il y a des gens qui sont rentrés chez moi pendant que j'étais au boulot et qui m'ont volé ma Switch et mes jeux de PS4. Voilà, comme ça vous avez malheureusement la nouvelle et je vais quand même vous dire plus ou moins où on en est. Donc depuis lundi, je suis allé porter plainte à la police, j'avais rendez-vous mercredi pour ça. Donc ils m'ont dit clairement que le seul moyen que j'avais de récupérer mes affaires, ce serait qu'ils arrêtent quelqu'un qui fait genre de la vente ou du recel de biens volés, et ils m'appelleraient pour identifier formellement ce qui serait à moi. Mais bon voilà, ça peut se faire très vite comme ça peut prendre un long moment. Donc, je peux rentrer là-dedans. Ah oui, d'accord. Ben voilà, toujours est-il que je suis dans l'attente. En sachant quand même que je vais prendre un moment pour vous remercier. Parce que vous avez été très très nombreux à apporter des messages de soutien, à proposer des choses que je pourrais faire. Bon, vous êtes beaucoup à m'avoir demandé des infos déjà de base. Mais je vous dirais surtout merci pour tout le soutien que vous m'avez montré. Et surtout pour ceux qui n'ont pas hésité à vouloir donner des choses, ou en tout cas prêter. Il n'y a pas que du don tout ça. Il y a des gens qui m'ont pas mal recommandé d'ouvrir une page de don, faire une cagnotte. Alors si vous connaissez un bon site pour ce genre de choses, moi j'ai envie de dire pourquoi pas. Mais comme je connais pas trop les sites qui permettent de faire des cagnottes, bah, pour l'instant j'ai pas trop trempé là-dedans. Mais si jamais vous avez une info, n'hésitez pas. Et je veux aussi remercier ceux qui ont fait des dons directs sur la page Utip. La page Utip, elle est dans la description et c'est un bon moyen si vous voulez aider. Alors vous pouvez donner directement, bien sûr vous n'êtes pas obligé. Et si vous n'avez pas les moyens ou si vous ne voulez pas, vous pouvez tout simplement regarder des pubs. Même si vous en regardez qu'une, ça suffira, c'est quelques centimes. Si on s'y met tous, la somme peut vite monter et on peut récupérer ce qu'il faut. En sachant aussi que mes parents m'ont demandé de leur envoyer une liste de ce qui m'avait été volé et ils m'ont dit si jamais ils tombent sur un truc qui a été volé, ils en rachèteront de temps en temps. Donc, je suis pas non plus totalement dans la merde. Mais voilà. En tout cas, toujours est-il, je vous remercie pour toutes ces offres. C'est vraiment super gentil de votre part. Et bon, c'est pour ça que d'ailleurs, j'ai fait un tweet pour vous dire que vous étiez une communauté en or. Il n'y a pas vraiment de à ce niveau-là. Enfin, voilà. Bien. Et le taux de cas du courrier pour nous, on va s'y remettre. Salut. Mario, une lettre de la princesse Peach vient d'arriver. Cher Mario, des années-lumière me séparent à l'heure qu'il est, mais tout va bien et je sais que nous nous reverrons bientôt. Si j'ai un petit quelque chose, j'espère que ça te sera utile. 5 champignons one-up sont joints à la lettre. La princesse trouve le temps de s'occuper des autres malgré ce qu'elle doit endurer. Quelle noblesse! Merci d'utiliser les services de notre facteur, à la prochaine! Allez, repartons dans l'espace, on va parler de choses un peu plus joyeuses. Donc on est d'accord qu'il n'y a rien de nouveau ici, nous sommes d'accord. Alors on était donc là c'est bon, c'est fait, je vais récupérer les fragments d'étoiles, la mine d'étoiles, on avait récupéré toi aussi. Tu en veux combien? Tu en veux 700. Alors tu m'en voudras pas, cher ami, mais ce que je vais faire, c'est que je vais aller... Attends, là c'est fait les chutes abruptes, oui. Donc on a le choix entre l'araplane tropicale et l'ancêtre. Je vais aller dans l'araplane tropicale. Alors, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer pas mal de fragments d'étoiles dans ces galaxies ici, et ensuite on invitera le Wafroluma à bord. En plus, la raplane tropicale, je crois qu'il n'y a qu'une seule étoile avant la comète. Et c'est les trucs avec le perroquet, enfin le piaf. Araplane prend son envol. Je me d'ailleurs pourquoi araplane, c'est que le lara, c'est une espèce de perroquet. Voilà. Alors, on va essayer de récupérer quelques trucs. Un peu. Yes, de là où on est. Je n'en ai pas l'impression. Très bien. Salut! Araplane!
Ben est très timide. Il ne vole pas très bien, pas très bien. Mais il veut bien voler avec toi. Vénard, Vénard, tu vas pouvoir planer. Si tu veux planer avec un plane, nous on veut bien t'apprendre. Yark, yark. Ah bah vas-y. Hein. Planer, planer. Écoute, écoute, voici les clés pour bien planer. Pointe la télé, l'écran avec la télécommande, il y a l'horizontale. Voilà, comme ceci. Considère ça comme ta position de base, base, base. Pour tourner à gauche, pivote la télécommande vers la gauche. Pour tourner à droite, vers le bas pour piquer. Et pour ralentir vers le haut. Ralentir, c'est pour les trouillards. Ok, sur toi. Tu franchis le portail en forme de soleil au bout de la forêt, tu as gagné, mais ce sera dur, dur, dur. Allez, c'est parti. 1:30. Évidemment, si vous avez un temps, n'hésitez pas à partager. Alors, on va essayer d'accélérer un petit peu. Je crois qu'il faut qu'on passe toutes les portes. Il y en a 5, je crois. Porte numéro 2. Pas grave, allez, à droite. À droite, à droite, à droite, à droite. Alors oui, je suis un peu en mode trouillard parce que je vais éviter de me prendre le mur. Il faut qu'on surveille pour la médaille comète aussi. Hein. En passant, je m'attends pas à un temps complètement transcendant, mais c'est juste, voilà, au moins pour dire, c'est fait, quoi. Je vais essayer de récupérer le champignon one-up qui est là. Allez. Alors, on va perdre un peu d'altitude tranquillement. À tout en plus, il faut que j'en remonte. Et je suis mort! C'est vraiment génial! On va essayer d'y aller un peu moins, un peu plus mieux. Allez. Accélérer un petit peu. Voilà. Allez, on descend. Parfait! Ah, c'est beaucoup mieux quand on prend pas son temps, hein. Allez, Araplane, Mario, vous pouvez le faire. Tranquille. Mais ce qui est bien, c'est que la vie, elle repop. Au pire, la vie, je peux la récupérer un paquet de fois. Donc là, faut que je reste en hauteur. On va essayer d'accélérer un petit peu. Voilà, sur la gauche, pour la porte numéro 4, je crois. Allez, je vais partir à droite. Merde, pas grave. Je suis pas mort, c'est tout ce qui compte. Allez. On peut le faire, on peut foncer. Et je me demande si les 5 portes, c'est pas ce qui ouvre la médaille comète. C'est pas impossible. Ouais, elle a l'air d'être verrouillée là. Allez, la médaille comète. Excellent. Et nous terminons en 1:13.96. Elle est pas belle la vie, on récupère 56 fragments d'étoiles en plus de ça. Bravo, tu as plané comme un pro, pro, pro. Mais Araplane a l'air heureux, yark. Tiens, prends cette étoile, merci, merci. Alors c'est marrant, les gens m'ont demandé ce qu'on pouvait dire à la place de Ruby dans les commentaires. Et si on disait étoile? De tout pourquoi pas, je serai jamais synchro avec la musique. Allez. Tintin, tintatatin, tintatatin, tintatin. Et voilà le travail. Ça nous fait 19 étoiles normalement. N plus 1, on est quoi? On a commencé à 18. Ok, on a une nouvelle médaille comète. Des fragments d'étoiles. Et on a accès à cette zone, donc on peut ouvrir. Et puis on arrive quasiment déjà à la galaxie de Bowser. On va pas tarder à le revoir. Enfin là, on va aller voir Bowser, pas Bowser Jr. Pas de nouvelle étoile? Pas de nouvelle étoile. Et il faut 16 étoiles. Allez, on va aller faire lance étoilée. C'est parti. Sparky, Sparky! Alors, l'énigme des cascades jumelles. Ah, il faut la fleur de... faut un truc qui gèle, là, je crois, si mes souvenirs sont bons. Oui, oui, il y a des pingouins, on va geler tout ça, puis on va grimper tout en haut pour récupérer l'étoile. Je me souviens de ce truc. Bon, vous savez quoi, le temps qu'on fasse ça, quand même qu'on parle un petit peu de l'actu jeu vidéo, puisque si vous avez vu la semaine dernière, on a eu un Nintendo Direct. Et comme j'aime à vous le demander dès qu'il y a un Nintendo Direct... Qu'est-ce que vous retenez comme annonce de ce direct? Bah moi perso je retiens pas grand chose pour être honnête hein. À part les 27 000 portages, bah je m'en fous un petit peu.
Luigi's Mansion, j'ai pas l'intention d'y jouer, donc je m'en fous un petit peu. Animal Crossing, pareil. Les portages, alors ouais, bah, il y a des jeux qui étaient sur d'autres consoles qui arrivent sur Switch, c'est cool, ça va pas me faire y jouer. Genre Overwatch, j'y joue déjà pas sur PC ou PS4, c'est pas sur, sur Switch que je vais y jouer. Ah, les deux, je crois qu'il y avait quelques infos sur Link's Awakening, il me semble. Mais bon, voilà, toujours est-il que, à part concrètement, le truc qui nous disait hey, tu peux jouer Banjo dans ce match à la fin du direct, c'est cool ça. Mais bon, dans la mesure où j'ai plus de Switch pour les contester, bah ça fait un peu chier, donc je retiens malheureusement pas grand chose de ce direct. Puis bon, même si j'étais pas dans la situation qui fait que je n'ai plus ma Switch, ben je retiendrai tout de même pas grand chose de ce direct. Donc voilà, toujours est-il, voilà. Ça a été un direct assez décevant pour moi. Puis bon, évidemment, vous savez que si je mentionne pas un truc, c'est que je m'en tamponne complètement. Enfin voilà. Je vais pas épiloguer 15 ans là-dessus, mais vous avez mon avis sur la question. Et donc vous, est-ce que vous retenez une annonce, et si oui, laquelle? Des pièces! Oh, médaille comète! Yeah! Du coup, est-ce qu'on n'aurait pas un loin frelouma là dans le coin? Je suis en train de me poser la question tout à fait hypothétique. Ok, on va essayer de remonter un peu à la surface. J'avoue que si je pouvais avoir une caméra un peu plus coopérative là dans ces situations, ce serait cool. Voilà. Oh, bonjour! Comment ça va? Alors, juste parce qu'il me semble qu'il y a un loin frelouma dans cette zone. Et je sais plus s'il veut des fragments d'étoiles ou. Oh, attends. Il y a un anneau étoile ici, on va aller le prendre. Voilà. Oh, mais c'est joli tout ça. Ah bah oui, attends. Il y a des pièces que tu veux? T'en veux combien? Tu veux 15 pièces. J'ai pas 15 pièces, mais je vais te les chercher. Il va me falloir des pièces. Est-ce que je peux écraser... Oh, attends. Oh, regardez-moi ça, là-bas, il y a un tuyau. Vous pensez que je peux récupérer 7 pièces dans ce tuyau? Hop. Qu'avons-nous? Alors, vous allez voir que c'est encore une étoile cachée. Ah, des pièces, non. Comment récupérer des vies? Je dis pas non. Ou des fragments d'étoiles. Enfin, bon, c'est un fragment d'étoile. Pour le moment, on va mettre plusieurs bandes de rats. Bon, bah, pas de vie. J'aurais dit tant qu'il y a des vies, il y a de l'espoir, mais bon. Ah bah voilà, je suis un petit peu comme un con. Bon, alors il y a une pièce par là. De toute façon, les pièces pour le Luma, faudra les faire à un moment donné. Donc autant les récupérer tout de suite. 9. Est-ce que j'ai loupé des pièces dans le coin? Attends, est-ce qu'il n'y aurait pas une pièce dans la caisse? Parce que non, mais qu'est-ce que c'est? Un fragment d'étoile, ok. Y a pas de pièces là-haut. Y a des fragments, y a des coupas. Mais y a effectivement pas de pièces. Ce qui pue un petit peu du slip, hein, vous en conviendrez. Remarque, je suis en train de me dire, je pense que le bloc point d'interrogation, il servait à ça. À nous faire monter à 15 pièces. Donc je pense que vu que j'ai pas pris toutes les pièces, je vais quand même faire un tour des fonds vite fait. Pour voir si je peux grimper à 15. Attends, là j'en vois une, ça fait 10. J'en vois une autre, ça fait 11. En tout cas, la musique elle est sympa, je la trouve un peu... assez un poil lugubre, mais assez reposante malgré tout. Ok, est-ce qu'on a autre chose? Est-ce qu'on a des pièces encore? Est-ce qu'on peut voir une pièce quelque part? Prenons un peu de hauteur peut-être. Oh, mais voilà, regardez-moi ça! Un cercle de pièces à la surface, parfait! 14. J'ai juste besoin d'une petite pièce. Il n'y aurait pas une petite pièce, s'il vous plaît? Et je peux aller voir le Luma. Voilà, parfait! Je savais bien que j'avais raison de persévérer. Allez, Mario! Par contre, le Luma... il est vers la tour, le Luma. Et la tour est... voilà, en plus, il y avait encore une 17ème pièce par là. Le Luma est... là-bas, il est là-bas, je l'aperçois.
Allez. Au pire, il y avait encore pas mal de pièces, ouais. Je pense qu'il y a moyen de récupérer plus d'une vingtaine de pièces. Oui. Salut, tu veux des pièces? Pardon, mon petit. Ouais, vas-y, donne, vas-y, je te file 15 pièces, pas de soucis. Alors, comme d'habitude, je dis toujours que ça doit pas être digéré du tout. Alors, quelle sera la planète? Ça, voilà. Et nous avons, ok, une planète avec, qu'est-ce qu'il y a dessus? Je sais pas, mais je sais qu'on va y aller. Sporty Sporky! Ok, un check. Ah, oh, faut qu'on rattrape un lapin. Ok, je sais comment ça va fonctionner. Salut. dedans. Ah, tu crois que tu peux m'attraper? Ah, ça me regarde. Je suis un enfoiré. Salut. Ben voilà. Ah, dedans. Ah, c'était bon, t'as gagné. Ah, tu prends là, tu ton étoile. Tu prends l'étoile. Dedans. Et ben voilà. C'est pas mal, là. Allez. Tintin. Tintin. Toujours l'impression de chanter du Renault quand je fais ça. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Tintin. Alors la mer, elle m'a pris, je me souviens. Un mordi. Et ça fait 20 étoiles. On a quasiment à 1000 fragments d'étoiles, c'est cool, ça. Qu'est-ce qui se passe? Ok, donc on a la deuxième partie du chemin pour aller vers le niveau de Bowser. Ok. Eh ben, en avant! Tant qu'il n'y a pas d'événement, de toute façon, on continue. En plus, voilà, il y avait deux étoiles, on a eu la troisième. Ding! On appelle ça de l'anticipation, tas de pain. Donc, l'énigme des cascades jumelles, on y retourne, puisqu'on a fait l'étoile cachée. Voilà, allez, on y retourne. Je vous ai pas parlé, monsieur le pingouin. Ah, bonjour. Ah, pardon. À tout le monde des talents d'entraînement. On essaie d'améliorer nos techniques de natation. Ah, pardon. Ah, ces techniques de natation à Zizou. Allez, donne-moi ça. Donc là, ça qui est bien, c'est que je peux foncer directement. Allez. Ah, puis en plus, il y avait des pièces là-dessus. Comme quoi, si je voulais récupérer 15 pièces, le jeu mettait vraiment tout ce qu'il faut à ma disposition pour que je les récupère. Allez. On va quand même essayer de récupérer un max de fragments d'étoiles. Ne serait-ce que pour avoir de la réserve une fois que le Grand Froluma sera passé à bord. Mais du coup, ça veut dire qu'au prochain... probablement au prochain épisode, on devrait revoir Bowser. Bah là, on va voir Bowser pour la première fois parce que c'est Bowser Junior. Et on va affronter le patron. Alors, voilà, il me faut ça pour aller récupérer les trucs que je pouette. Les fragments d'étoiles en faisant ceci. Voilà, on a récupéré, ouais, c'est pas mal là. Ce qui est bien, c'est que le Luma, on l'a nourri. Hop! Non. Salut! J'en ai assez de nager tout le temps! Je voudrais bien patiner un peu! C'est une mort, femme! Voilà. Youpi, l'eau a gelé. Un clignotique agite la télécommande pour te mettre à patiner. Et là, c'est parti, hein. Et maintenant, c'est ça qui est bien, c'est que je peux faire ça. Hop. 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 Allez. Boum. Et une deuxième étoile in the... Je vois s'il n'y aurait pas des fragments d'étoiles là dans les fleurs, on sait jamais. Il y a peut-être un Kurogu qui va sortir. Allez, tous ensemble. Bonjour, tous ensemble. Tintin, tatatatin, tatatatin, tatatin. Oh my. Allez, plus qu'une et on peut aller dire bonjour au... Oh, on va peut-être voir le Gouinfreluma aujourd'hui du coup. On a eu combien de temps? 2-10. Allez, on a speedrun et allez, 21 étoiles. 1040 fragments d'étoiles, très bien. Et ben on y retourne puisque rien d'autre ne se passe. Allez. Deuxième étoile, enfin,
dernière étoile pour le moment dans l'anse étoilée. Du coup, il y aura la comète plus l'exploration de la grottine. D'accord ? Donc, il y aura la comète plus les étoiles vertes. Oh, je sens qu'on va se marrer. Oh, regardez-moi tous les fragments d'étoiles qu'il y a là-bas. Ok, donc c'est déjà gelé. Très bien. Ok, il y a un Luma qui est là. Oh ! Bonjour. Ah, bonjour. Ce pauvre Luma est coincé là-dedans. Alors tout le monde est cherché la clé pour le sortir de là. Pardon. Ah, c'est con, parce que si j'avais qu'il allait parler avec lui, je lui aurais donné la voix du père Foura. Il faut trouver la... Attention, je vais jeter la clé dans l'eau. Tout qu'en plus, il le fait plus depuis plusieurs années, mais ça, c'est un détail. Oh my! Des petites piécettes. Hop. Allez, on y va. Oh, 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 oh. Attends. Je suis sûr, en rentrant par le tuyau... Pas vrai? Ah, ça a l'air d'être ça. Allez. YOLO! On récupère bien tout ça et on y va. Là, je suis vite avec. Je peux pas avoir une carapace? Non, mais une pièce, c'est bien aussi. Et faut remonter, mon cher Mario. Allez, hop. Hop, hop, hop. Des fragments d'étoiles, ouais! YOLO, un checkpoint, yes. Oh, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Une pièce. Plonge avec Z. Tant. Ok, c'est juste une pièce. Et là-dedans, la caisse, il y a quoi? Une caisse. Une pièce. Dans la caisse, il y a une caisse. Mais ouais, tout à fait. Moi, bon, il y en a pas très intelligent, hein. Ok, bon, la pièce, j'en ai pas spécialement besoin. J'ai plus besoin... J'aurais plus des fragments d'étoiles, les gars. S'il vous plaise. Et là... Boing. Alors, qu'est-ce qui m'attend là-en-dessous? Mais dis attention à ce qui t'attend là-dessous. Il y a genre quoi? Ah oui, d'accord, toujours. Les murennes, comme dans 64. Alors, vas-y, je les évite, c'est des petits bits. Ouais, vous êtes pas rapides, les dudes. Nice. Ah bah si, en fait, vous êtes un peu plus rapide que ce que je pensais. Ah là là là, j'ai raté une occasion de fermer ma gueule. Et, on va ressortir par là? Ok, encore un checkpoint. Ah oui, d'accord, on arrive dans la zone en 2D. Ah oui, ce truc-là. Ce truc-là, je m'en souviens vite fait. Ça fait un peu penser à des... à certains passages dans du Crash Bandicoot. Le 3, j'y dirais. Donne les fragments. Voilà. On grimpouille par ici. Moi je dis on est pas mal là. Ok, est-ce qu'on arrive alors? Qu'est-ce qu'il y a? Un problème, monsieur le pingouin? Il n'y a pas hésité, plonge tête la première et tu y arriveras. Ah bah par contre si l'eau se barre, je vais pas pouvoir faire grand chose hein. Ah oui, en plus ce truc là je m'en sens parce qu'il faut suivre le machin parce que toi tu restes sur place. Donc il faut suivre. A défaut de suivre le conduit, tu suis l'eau qui bouge. Ah techniquement elle est dans un conduit, c'est juste que le conduit est un peu vide. Bon. Déjà, faut que je sorte. Ok. Je vais récupérer tous ces fragments d'étoiles. Voilà. Voilà, et maintenant le Luma est libre. Et on fait demi-tour. Parfait. En même temps, vous m'aurez vu, j'étais en train d'agiter ma humotte comme un clampin, là. Salut. C'était assez humide, là-dedans. YOLO. Oh, un vaisseau Toad. Capitaine. Isère, j'étais venu ici pour faire un peu de natation, mais sans eau, ça va être dur. Ah Mario, je t'ai pas vu arriver. J'étais en train de travailler dur pour trouver l'étoile. Tu as vu là-bas? Il y a une étoile. Je le savais depuis le début. C'est ça. Ok, donc il va falloir qu'on active des mécanismes, je crois.
Ok, alors... ok, je vais avoir besoin de forêt, ben... Forons. Ok... On va essayer de forer un peu partout, genre... ici. Une vie. Cool. Ok, alors où est-ce qu'on n'a pas forêt? Ici, on n'a pas forêt. Forons. Ok, donc on vient de passer d'un côté à l'autre. De toute façon, je pense qu'il faut qu'on fore là-dedans. Donc faut trouver ce qui est... Allons voir. À l'opposé, probablement. Je dirais qu'on doit forer... Où ça? Ici, peut-être. Non? De l'autre côté, alors. On a foré ici. Autre chose. J'ai l'impression d'avoir foré partout. Ouais, c'est à force de forer mon nez partout. C'est de l'humour. Ici. Mais non, c'est à l'opposé, pouf. Si c'est comme ça, il va falloir forer. Ben, par là, du coup. Saloperie. Et ça se trouve, je vais pas l'atteindre de. Je peux peut-être pas l'atteindre de ce côté-là de la planète. Wait. Ici. En fait, il faudrait que je retrouve le truc qui m'a mené de l'autre côté. Parce que, attends, là. C'est un peu plus compliqué que ce que je pensais. Hein. Celui-là. Je peux pas forer ici. Et je peux pas forer sur ce sol-là non plus. Je vais essayer de revenir de l'autre côté de la planète. C'est pas ici. Tout ça pour faire apparaître de l'eau. Là. Ah non, pauvre con. Là. Oh, putain. Maintenant. Oh, mais ta mère la te pue. Donne-moi une pièce. Saloperie, va. Ça donne une pièce. On sera déjà plus tranquille sans... Ah, ici, faut... je pense qu'il faut forer ici. J'ai l'impression de louper un truc, quand même. Non, c'est pas ici, on t'a... L'autre, là. Au milieu, ici. Ah, voilà. Attends, et si je vous tatane tout ça? En tout cas, je peux vous donner des coups de... Je peux vous donner des coups de avec le forêt. Je vais essayer de tataner tout le monde. Je sais jamais. Et parce que le seul coin où je peux forer, c'est là. Eh oh. Mais non, t'as pas mal au cul, Mario. Ah bah voilà. Ah bah je pouvais toujours essayer de forer, hein. Faut péter les mécas ou pas. Allez, donne-moi ça. Et maintenant, je vais forer là où ça a popé. Il y avait effectivement une histoire de forage, mais pas maintenant. Voilà. Et on va aller récupérer l'étoile. Voilà, il donne l'étoile à tonton Mario. Tintin. Et boum. Et avec ça, on a assez pour inviter le goinfre Luma à bord. Je crois qu'on a plus d'étoiles à faire dans les autres galaxies. Oh, si on se met là, il se passe quelque chose. On va regarder ce qui se passe. 22 étoiles. 1155. 480. Que se passe-t-il? Et que dites-vous de ça? Un pingouin à bord du navire. C'est original. Il a l'air de vouloir jacasser avec toi, va donc le voir.
Ouais, mais pas aujourd'hui. Parce que voyez-vous, mesdames et messieurs les gens, on va se quitter ici pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé ce 6ème épisode de Mario Galaxy 2. J'espère que ça vous a plu, quel que soit votre avis. N'hésitez pas à me le faire savoir en cliquant sur l'un des petits pouces en bas de la vidéo, ça fera toujours plaisir, c'est pas non plus. À laisser un commentaire, à partager la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On va parler de la chaîne autour de vous si le cœur vous en dit tout ça, vous le savez. La petite cloche notification, ça fait plaisir, les moments épiques, les faits, la cloche 5 si vous connaissez la musique. Si vous voulez soutenir la chaîne financièrement, vous avez accès à ma page YouTube dans les descriptions, mais ce n'est pas obligatoire. Et en attendant, la suite est probablement la fin du deuxième monde dans le prochain épisode. Je vous remercie encore mille fois de votre soutien, ne changez pas, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.